Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie de Junia. Petite bataille défensive contre la Confédération Celtibère. En Tarraco, donc en Espagne, de l'Est, du Nord-Est plutôt. Bataille défensive, on va voir si cette fois on va réussir à démolir ou pas les engins de siège de Tarraco. Et je la fais juste par pur plaisir en fait. J'ai vraiment envie de... J'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup les batailles défensives. Là j'ai moins l'occasion d'en faire avec Rome. Mais quand je joue par exemple que ce soit l'Égypte, Macédoine, tous les peuples un peu grecs qui ont des piques, qui ont des piquets, oh, je prends un plaisir. Alors... Forcément, il y a de la pluie. Comme à chaque fois qu'il y a une bataille défensive sur ce jeu. Dans les cités, il y a de la pluie 90% du temps, vraiment. C'est comme ça. Ouais, waouh. Ah ouais, j'ai des unités de levesse, j'ai tout ce qu'il faut. Voyons voir, là, il y a trois passages, quatre, bon, on va dire quatre, mais il y en a trois principaux. Ça va être celui-là, celui-là et celui-là. Ils vont vraiment aller... essayer de descendre ici, donc là j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. J'ai 14 springs qui pèsent. Si je veux diviser en 3, ça va faire 4 et des poussières. Et là je peux en garder 2 ici. Allez, c'est parti. Donc je vais mettre... Non. Donc je vais mettre 2 unités de springs qui pèsent. Par sortie. Alors d'habitude je le fais avec des piquets, donc là ça va être une grande première. Je sais pas ce que ça va donner. Alors oui. Je suis en train de penser à quelque chose, c'est que si je le mets pas bien, ils vont se faire des tiraliers. Donc je vais essayer de les placer vraiment. Oh, c'est terrible ça, ça veut pas. Hein. Je vais essayer de les placer en de sorte à ce qu'ils tirent pas dessus eux-mêmes. Là ils peuvent par exemple, on va essayer de faire un angle de 90 ou plus. Voilà vos cours de maths les gars. Ah oui mais là c'est pareil. Ah, ils vont se lancer des choses sur eux-mêmes. Pas terrible, hein, pas terrible tout ça. On va voir. J'en étais où? Hop. Là, j'ai mal compté. On dirait bien que j'ai mal compté. Hop là. Le général planqué derrière, là. Oh, vraiment, hein, je les ai tous... Ouais, on a plus. Hein. Je sais pas comment j'ai foutu pour compter aussi mal que ça, mais... Qu'est-ce que j'ai foutu, je veux dire, pour compter aussi mal que ça? Les Soki Quites Extraordinary, un petit peu, ok. Populace, derrière, là, tu vas te barrer ici, sur ce point de capture. Et là, les gars, va falloir placer le Vess. Maintenez la position. Maintenez. Hop. Position défensive. Hop là. Je vais garder quelques vitesses derrière au cas où, mais je leur retire le mode volonté. Quoique, regardez, hop, si je les mets là. Au cas où ils sortent de là. Très bien. On aurait bien collé les murs pour pas se prendre de projectiles gratuits. Faudra que je fasse attention avec, avec eux également. Ah oui, et quelques unités de levesse en mer. On va commencer, je vais les faire débarquer. Eux, je vais leur dire de stopper le feu à volonté. Je vais essayer de tirer manuellement le plus possible. Pour essayer de faire le plus de dégâts, mais vu que j'ai pas les rafales enflammées... Je suis sûr que j'arrive à normal, mais avec moins de précision, ouais bah oui. C'est bien ça le problème, c'est la précision. Hop, les Vélites, les Levesques qu'il y a là, je vais les envoyer ici. Putain, ils s'approchent vachement vite je trouve. Hein. Ils s'approchent vite mais niveau précision, hop.
Ok, là jusque là j'ai eu deux bons tirs, faut continuer comme ça. Dommage. Ah oh si ça. Alors là. Là j'ai eu de la chance parce que je le voyais pas dedans. Ah dommage. Le problème c'est que chaque munition est précieuse, donc je suis vraiment concentré. Terrible celui-là. Terrible. Celui-là également. Et bon bah les premiers tirs ont été bons. Ok. Et 2-1. Bon avec un peu de chance j'en aurai 3 en moins. 2, 3, je vais essayer de compter combien il en faut pour 4, 5, 6, 7, 8, purée, il faut 8 tirs. Celui-là, je l'aurai pas. 1, 2, ok, lui je vais lui demander d'aller tirer sur, sur eux là-bas parce qu'il va absolument falloir qu'il se tourne. Pour réussir à viser là, c'est compliqué. Surtout si ça tire à chaque fois sur la gauche. Ah. Terrible ça. 2. Ah, là j'ai plus la vision. Donc c'est du pif. Et comme ça. Oh, ça passe vraiment une fois à gauche, une fois à droite. 3. 4. Oh bah comment ça 5? Bon là faut que je sois bon pour aller choper ce derrière. Ouais compliqué. Hein. Ah. Ouais en plus il est protégé par mon fort. Ouah ça a piqué ça par contre. J'ai pas vu mais... Ah, c'était bon, sauf que, bah, protégé par ma baliste, quoi. Bon, là, il en reste deux, ça tombera pas. Bah, si, ça tombera, mais sur les miens, quoi. Bon. Je vais demander à tous ceux qui sont sur le mur de se barrer. Hop, descendez, les mecs. Je veux que vous ayez là-bas, je veux que vous alliez là-bas. Ah voilà, ils vont essayer de passer, mais bon, ils vont comprendre que c'est pas une très très bonne idée. Je pense que celui-là va être tranquille. On va voir. Normalement ici, ça devrait pas me poser problème. Là, ça fait le café. Ça fait même bien le café. La terre ibérique, ils en peuvent plus. Ok, eux ils sont pas tombés, bah grouillez-vous de revenir parce que vous aurez pas cette chance pendant bien longtemps. Oui bah voilà, vous êtes au contact. Hop, j'ai essayé de vous aider maintenant si vous voulez pas. Ça n'est pas mon problème. Voilà, ils essaient de descendre à fond là. Ils ont beaucoup d'unités à distance ou... Ah non, c'est de la cavalerie. Et si un peu de tarantine. Des frondeurs, mais les frondeurs ça tire pas en hauteur. Enfin ça tire pas en cloche. Donc c'est bon, la cavalerie elle passera pas comme ça. Là, ils m'ont envoyé presque toutes leurs unités au corps à corps. Hein. Avec la selle qui arrive, ce sera tout. Hein. Ok, j'ai plus de munitions sur ces troupes ici. C'est grave.
En attendant, j'ai mes tours qui font feu, donc... Les frondeurs, ils ont de sacrés boucliers quand même pour résister à des tirs de mes tours. La vache. Ah, ils vont attaquer la baliste. Les mecs sur les balistes, ils vont se prendre tous les... Oh, ils ont l'air d'être relativement protégés. Relativement, bien évidemment. Ah. Oui, alors. Je vais faire revenir quelques unités de tirailleurs. Ouais, mais non, mais alors, les mecs, mon arme. Pourquoi? Parce que. Bah, ils vont tirer des murs, en fait, là, les frondeurs. Vous voyez? Donc, je vais envoyer un Principes pour aller au contact. Et il devrait éviter de. Alors ça m'embête un peu d'envoyer une prime qui pèse parce que là il va pouvoir se faire tirer dessus et j'aime pas trop ça. Hop. Qu'est-ce qu'il fout? Que Jupiter me donne la force. Ok, mode garde. Pas enfin, un général dans le coin là qui traînait. Ah oui, si, il est là, d'accord. Allez, on se grouille les mecs. Je sais pas pourquoi, là, ils galèrent, comme il n'y a pas pour monter. Ah bah, ils sont descendus. Oh, ok, j'ai rien dit. C'est rare, ça, tiens, que les frondeurs, ils descendent. C'est bizarre. Oh, ils sont enthousiastes, hein. Je sais pas trop comment, mais ils sont enthousiastes, les mecs. Bon, rentrez. Fais gaffe à la cavalerie qui fasse pas le tour, là, cavalerie cantabre. Ça pourrait être dommage. Alors oui, par contre, pas de feu à volonté. Il essaie de passer les portes là, c'est ça? Il essaie de foutre le feu à la porte. Bon, pas de chance, il pleut. Ils ont choisi un moment de pluie. Et ben, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Parce que quand il pleut, eh ben les portes prennent moins peu. Oh. Tout ça en rime, magnifique, n'est-il pas? Là, je vais faire venir les levesses et je vais leur dire de balancer leur javelot dans le tas, là, ça va leur faire drôle. Ils vont pas aimer la blague. Vous allez voir, ça va être... Enfin, moi, je vais adorer. Mais eux, ils vont pas aimer. Ils vont vraiment pas aimer. Encore, j'ai pas trop de munitions, donc ils devraient être contents. Tiens, on va en envoyer d'autres. Alors, ils passent bien tous par... oui, ils font bien tous le tour. Donc salut les mecs. Waouh, ils en ont fait pas mal des pertes là. Regardez-moi ça, là. Il pleut des cadavres. Enfin, il pleut des traits. Et les traits créent des cadavres. Vous avancez pas trop les Romains là, le but c'est juste de tenir une position, c'est pas grave si vous vous battez pas. Ils sont confiants, voyez, ça a bien creusé là, ça creuse tout là. Ah, ça les fauche comme des blés au printemps, en été plutôt. Quoique bientôt les blés ils se récolteront au printemps. Ouais. La porte, 5% de dégâts de feu. Ah bah oui. Hein. On est d'accord, il n'y en a pas qui sont passés là-bas. Parce que là, on n'a pas la carte. Forcément, on est obligé d'aller voir. Hop, plus de munitions. Allez, tu peux aller en hauteur. Tu peux partir. On est d'accord, tout cela. Hop, on retire le feu à volonté aussi. Lui il a bientôt plus de munitions. Ils sont pris cher eux. 0% de munitions, intéressant, mais il peut. Voilà. Infanterie lance projectile paré. Heureux de servir Rome. Ok, ils sont collés, on va tirer sur les frondeurs parce que là ils sont en plein dans mes unités et ça me fait faire des pertes que de tirer sur.
On va tirer sur les unités qui sont derrière, plus ça sera mieux. Là, parce que s'il vise lui, c'est pas bon pour moi. Ça. Ok, bon, bah, même pas besoin au final. Les leves, etc. Je vais les envoyer ici. Ils vont pas essayer de. Si. Avec quelques frondeurs. Oui, alors non, pas de suite, les gars. Je voulais les envoyer, mais pas de suite. Il y a encore des frondeurs. Là, on va juste voilà, les terminer tranquillou. Ils sont confiants, on sait pas trop comment, mais ils sont confiants, les mecs. Là, ils ont des pertes comme il n'y a pas. Ah oui, c'est vrai qu'en difficulté légendaire, ils ont forcément un énorme boost de morale. Voilà, maintenez. Ils sont déjà tous descendus? Mais ils ont été rapides. Ils sont où? Ah bah ils sont là. Il y en a déjà la moitié qui a péri. Oh, tu me diras, il y en avait déjà peut-être une bonne partie en moins. En train de me dire. Voilà. Là on s'avance sur le général ennemi, là on peut resserrer des deux côtés. Là ils sont vraiment pas bien. Là ils aiment pas la blague. Là je vous dis les mecs, et la blague, non, 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 ça leur fait pas plaisir. Et là bah y'a plus qu'à envoyer quelques troupes. Hein. Ouais. Allez. Courez un coup les amis. Hop. Décaler sur le côté pour laisser passer. Bon bah ils veulent pas trop m'écouter apparemment, c'est dommage. On accélère, de toute façon on a plus rien à craindre. Petite cavalerie tarentine peut-être. Cantabre, un peu de cavalerie cantabre mais c'est tout quoi. La porte elle est pas prête de prendre feu encore. Et elle a pris que 20% de dégâts. Ils sont bloqués par quoi ici là? Il y a l'air trop de cadavres, c'est ça? Ouais, bon, je comprends qu'ils ont peut-être du mal à avancer sur les cadavres. Il y a une sacrée épaisseur. Hein. Oui, il y a une sacrée couche, ouais, tu m'étonnes. Voilà, ce qui fait que là-bas ils se prennent déjà l'eau plus les tours. Bon, bah là, c'est foutu pour eux. Hein. Bon, j'aurais eu pas mal de pertes, hein, mine de rien, mais bon, c'était drôle. Donc ça me va. J'ai pris du plaisir, donc je suis content. Ah, ils sont pas en feu à volonté, bah attendez. Regardez. Oh, oh bah oui, ça fait mal là d'un coup. Ah bah là, là, ouais, c'est plus pareil. Hein. Ah la vache. Ah ouais, bah oui, 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 oui. Et là même eux, là, ils vont regretter. Hein. Ils se prennent des pertes là, à gogo. Hein. Cavalerie légère de mercenaires gaulois, bah la cavalerie légère de mercenaires gaulois va pas faire long feu non plus. Hein. Ah non, ils ont fait tout le tour pour passer. Ah ouais. Mais ils sont courageux. Ou stupides. Allez, on va accélérer. Il y a des rorari derrière, ils se sont pris des flèches. Des... Je crois que c'est des flèches, hein, ils ont des archers. Non, non, ils ont pris des lances perdues, des javelots perdus, les pauvres. Il a pas aimé la blague non plus. Hein. Voilà. Bon, j'ai eu plus de pertes que prévu. Voilà. Bah, je suis dans les pertes qu'aurait fait le bot. Donc ça me va. Sachant que j'ai eu une cinquantaine de pertes alliées quand même. Hein. 40, 41 pour être précis. Ça, c'est pas terrible.
Une victoire comme on les aime. Oh les culottes. D'ailleurs, il avait une deuxième armée, je sais pas ce qu'il en a foutu. Peut-être essayer de la reprendre. Progrès. On est sur du développement militaire. Assez alpine et critique. Ah bon ? 6 alpines ? Ah oui, non mais. Oui, c'est pas très grave ça. C'est vraiment pas très grave. Du coup, ils peuvent. Hein. Un truc. Les Nazamon, qu'est-ce que vous faites là-bas, les Nazamon? Ah d'accord, et c'est le Cid. Ah, intéressant. À se méfier quand même, hein. J'ai pas encore des bonnes troupes. À faire attention. Tiens, je vais aller chercher eux là-bas. Donc ils ont une défaite, ils peuvent encore courir après, mais... Ils ont de l'endurance, mes salauds. Oh, ils ont recruté, oh, regarde, ils ont recruté des mercenaires, c'est mignon. Non, gouzi, 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 gouzi. Allez, pareil, on en veut plus. Une en moins. Et, ah ouais, ça m'oblige à rentrer en marche forcée, quoi, terrible. Je vais faire deux embuscades, une sur le chemin ici. Et une par ici parce que c'est plus rapide. Impeccable. Voyons, non, ça c'est déjà fait, ça c'est pas fait. Oui, ça va être important. Bon, l'ordre public, il est un peu bas, ils ont pas aimé. Écoute, bah, ils aimeront quand même. C'est qu'une question de temps pour qu'ils soient romanisés. Ils sont un peu trop grecs à la base. Tu me diras, le sud de l'Italie était grec aussi pendant une période. Hein. Et qu'ils soient contents ou pas, c'est la même. Allez, on reprend la route au niveau de Brigantium. On y va tranquillou. Là, il faut que je répare mes navires, donc on va attendre. A-t-il des promotions? Oui. Bien joué. Enfin, félicitations plutôt que bien joué. Ah, et toi aussi, félicitations. Ok, on est à 4 tours avant les casernes de cohorte et on est à 12 tours avant la caserne de la Légion. J'ai pas mal de troupes dans le coin là. Qu'est-ce que. Ouais, ils sont. Ils ont tous un ordre. Oui. Ah non, pas toi. Qui es-tu, toi? Ah oui. Toi, je crois qu'il faut que je t'envoie quelque part. On va t'entraîner un peu avant. On va t'entraîner un peu. Sinon, tu vas te faire zigouiller. Bon, par lui, par exemple. J'arrive pas à le rattraper. Voilà. Et on va terminer le tour. Laissez le Cid. Ok. Ponte. Les Arfernes. Oh! Ils sont tombés dans une embuscade. Les ballots, quand même, les embuscades. Hein, ça marche bien. En plus, ça, c'est mon armée. Une des armées les plus entraînées. Et les Arfernes. Allez, un petit peu d'esclaves. Ça leur apprendra. Là. Plus des guerriers fidèles en esclavage. Ça doit valoir cher. Ouais. La bonne main d'œuvre. Et je vais aller les terminer tranquillou. Massilia, tiens non. Elle essaie quelque chose. Est-ce qu'elle essaierait pas, par pur hasard, hein, d'assassiner mon agent? Je dis ça comme ça. Hein. Ah bah un autre triomphe, tiens. Ok.
Ok. Ok, ok. Ok, je m'en fous. Ok. 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 Alors, ils sont soulevés, c'est ça, ici? Où ça? Moi, je vois personne. Bah, Rébellion? Ah! Oh, fait chier, il va falloir que j'aille les choper avec eux. Allez. Tac, bim, bam. Voilà. Ouh, non, pas besoin de trois esclaves, on en a déjà un peu. Donc vous là, vous êtes pas content, c'est ça? Très bien, pas de soucis les gars. Ne soyez pas content, mais soyez pas content ailleurs dans ce cas. Merde. Voilà, hop. Allez, soyez content entre part. Soyez pas content entre part. Vous êtes une culture non dominante en plus, parce que maintenant on est dominant, on l'atteint à 54%. Suivant. Les prochains rebelles. Quand vous voulez, mec. Nous on est des biens, on est patients, tu vois. On n'est pas quelqu'un de méchant. Oh des... Oh zut. Oh ils marchent trop vite et du coup ils vont tomber dans une autre embuscade. Ah c'est ballot ça. Ah c'est ballot hein. A plus, vous avez entendu ce doux bruit. Il n'y a plus de confédération cet hiver. Ah, quel dommage pour eux. Et on s'avance. Dans tous les cas, on ne peut pas se mettre en embuscade, donc on s'avance. J'ai vu qu'en Cisalpina, voilà, on avait du poisson à faire. Ok, très bien, tout ça, notre public toujours mauvais. Ouais, mais c'est bon, ça se rééquilibre. À cause de passage en empire, là, ils ont... Ils ont toujours pas accepté le truc. Hein. Alors voyons voir, est-ce que par pur hasard, on n'a pas la portée. Dommage. On va y aller en embuscade, hein, tranquillement. Et je vais envoyer cette flotte au niveau d'Ariminium. On va peut-être y aller en cadence forcée, hein. Parce que sinon on n'a pas fini. On est clairement pas fini. Hop là. Oui, bon, que tu fasses une rébellion massive, hein, j'en ai rien à foutre. Rien à secouer, mais alors d'une puissance. Oui, mais là je peux pas avancer. Moi j'avancerai avec eux. Oh, ils ont pris de l'expérience, les Velitas et le Vest ici. Agréablement surpris. Les Arvernes, ils ont compris que bah, ils pouvaient pas faire grand chose, donc ils vont me concéder des territoires, j'ai l'impression. Massilia. Des actions d'agents. Ah, ils se sont dit, ils ont peut-être eu comme idée d'attaquer un endroit, mais ils se sont dit non, c'est pas la bonne idée. Un autre triomphe, sabotage, renversement, renversement, rébellion. Ah, j'ai nua. Ouah, vache l'expérience là. Bah, j'écoute, j'ai nua. Les rebelles. Et comment ça finit? Mal pour les rebelles. Et moi avec un peu d'or. C'est ballot ça quand même. Alors, on a eu beaucoup de montées en niveau. Hop. Mortel, impeccable. Toi. Spécialiste, impeccable. Toi. Impeccable. Toi. Toi, c'est pour le vol de bouffe. Enfin, le vol d'or, etc. Toi, de base. Il te faut de la ruse. Ok. Ah bah oui, il est tombé sur le... Sur un os, comme on dit. Prêt pour de nouveaux ordres. Notre quartier
Là on attaque, en plus ça fait sortir sa garnison, donc c'est parfait. Hop, excusez-moi. Voilà. Ce qui fait que Tolosa est à moi. Tout est capturé, hein, c'est gratuit. Voyons. Est-ce qu'il y a du monde ici? Oui. Oh, il est tout seul, c'est mignon. Résolution auto. Oh, les 7 survivants. Et voilà, on a conquis toute l'Ibérie. Magnifique, n'est-il pas? On détruit. On a déjà deux temples. Ah! Oh! Alors s'en méfier de... Je vais envoyer mon général ici, niveau de Katurba. Essayer de les intercepter. Les Pictons, est-ce qu'ils vont vouloir prendre Massaria et Massilia? Ils pourraient. Hein. Soit ça leur poserait pas de problème. Non, ça je vais le détruire. Faire que du commerce ici. Hein. Hop, commerce maritime, commerce. Hop. J'ai pas une nouvelle troupe là dans le coin qui traîne. Non. Ah. Qui est à côté? Ok, ils vont vouloir passer par là peut-être. Ah, c'est bien possible. Comme ça, ils remontent sur Brigantium. On va voir ce qu'ils vont décider. Et allez, jette. Après, il faudrait que j'aille là-bas aussi. Ouais, mais j'ai ma flotte qui ira s'en charger quand elle arrivera. Oh, c'est bon tout ça, c'est très très bien même. Eh ben, on va se laisser là-dessus pour l'épisode d'aujourd'hui. On va juste terminer le tour, voilà. Comme d'habitude, parce que on ne peut pas sauvegarder en légendaire, on est obligé de valider un tour. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous propose... Ah, ils sont pas joués, ok. De me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Bon, merci d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao.